C'est un des plus vieux musées de Belgique, enfin le quatrième plus vieux musée de Belgique, qui a été créé en 1839. Et les pièces de collection datent de plus ou moins entre 100 et 150 ans. Même plus vieux pour certaines pièces de collection, les oiseaux en particulier, qui dateraient du début du 19e. Donc le musée a beaucoup changé. L'ancienne scénographie qui a été remplacée actuellement dans le musée à l'étage date des années 50, 1950. Avant c'était plutôt comme les anciens musées, en randonnion, tous les animaux. Dans un classement plus systématique, voilà. Peut-être. Voilà, souvent superposés les uns derrière les autres, sous forme de réserve, mais dans les musées. Dans les années 50, là, ces nouvelles scénographies qui présentent plus les animaux suivant la classification, avec une idée d'évolution, d'anthropocentrisme, parce qu'il y a tout un circuit avec l'homme en bout de chaîne, ce qu'on veut en bout de visite. Donc là, tout est rangé par famille, par ordre, etc. Et nous, aujourd'hui, on remplace un peu tout ça, parce qu'on s'est rendu compte que pour les enfants, dans une vitrine où on a des animaux d'une même famille, les animaux ne viennent pas toujours du même endroit. Donc c'est compliqué. Donc nous, on va travailler dans le futur par milieu naturel, par biotope, avec la forêt wallonne, les montagnes européennes, l'Amérique du Sud, l'Afrique centrale, voilà. Pour que les enfants puissent se rendre compte que tous les animaux sont en lien, les plantes, on va mélanger plantes, insectes, mammifères, oiseaux. Donc actuellement, les mammifères sont ensemble, les oiseaux sont ensemble. On part d'un musée plus réservé aux scientifiques à un musée plus didactique et pédagogique et plus à destination du grand public. La première partie qui va être faite sur un quart du musée, c'est la nouvelle classification des animaux, les grandes explorations, Darwin, Linné, donc tout l'aspect historique, et un peu la boîte à outils de la science avec comparaison d'ailes, voilà. Plus on va avoir une première partie qui rappelle un peu l'ancienne présentation, qui va servir plus de boîte à outils pour lancer les autres espaces. Pour préparer la nouvelle scénographie ici, c'était très difficile, parce qu'on aime bien expliquer beaucoup de choses comme scientifique, aborder pas mal de choses aussi. Donc le fait qu'une scénographe soit intervenue nous a un peu recadré, gentiment mais recadré, au niveau texte, au niveau contenu, au niveau adaptation, au milieu, aux enfants, à la vulgarisation, même si j'avais l'habitude des visites guidées, mais comme ça c'est moins fluide, moins encombré au niveau déambulation dans l'espace. Il faut qu'une scénographe soit là pour nous dire une personne arrive, elle voit ça d'abord, il faut prévoir tel espace pour se déplacer, tel espace pour un groupe, positionnement des objets, les textes, la taille des textes, l'orientation, voilà. Donc une scénographe était indispensable. On parlait de voyages de Darwin, de Wallace, on aura une maquette de bateau de Darwin, on aura un ancien bureau naturaliste reconstitué avec une longue vue, avec des vieux instruments, des vieilles boussoles, des vieilles planches d'herbier, etc. Donc on va ancrage historique, ancrage classification, et puis ancrage boîte à outils de la science. Donc voilà, donc dans l'espace sur l'aspect historique, il y aura par exemple des pièces principales, des pièces intéressantes, le livre de Darwin, qui l'a rendu célèbre, donc l'origine des espèces, qui est de 1876, avec son schéma qui explique un peu l'évolution des espèces, qui est à la base de la science actuelle. C'est ça qui est intéressant. Et par exemple, on a récupéré Ouzoudlé, c'est une famille de Mons, dont les ancêtres sont illustres, sont partis un peu d'expédition. Alors j'ai récupéré par exemple, c'est les vieux carnets de notes d'un membre de la famille qui est parti en Afrique en expédition dans les années 1930, et qui faisait des croquis vraiment de tout. Et on va les présenter aussi. Voilà, donc il est parti deux expéditions là-bas en Afrique. À l'époque, il fallait avoir les moyens, mais voilà, c'est intéressant. Donc, à côté des grands Darwin ou Wallace, on va présenter aussi cette famille montoise pour avoir un ancrage local. On va les dessiner super bien. Dans le nouvel espace scénographique, il y aura une partie sur les apports économiques des grandes explorations. Donc, il y aura une petite vitrine avec le dindon qui est là-bas, qui est le seul animal qui a été rapporté d'Amérique du Nord. On va présenter de la vanille, une noix de coco, du cacao, du poivre. Voilà, les enfants sachent. Voilà, que telle pièce, telle graine vient de tel endroit, ça n'est pas de chez nous, le dindon n'est pas de chez nous, mais voilà. Voilà, donc c'est une pièce intéressante un peu à part des autres pièces, donc c'est le vrai squelette d'un géant, Julius Koch, c'est son nom, Constantin, c'est son nom au spectacle. Il mesurait 2,58 m, donc c'est une pièce un peu exceptionnelle, un peu particulière parce qu'il n'y en a pas beaucoup en Europe. Je pense que c'est le plus grand encore conservé en Europe. Il est mort à Mons à l'âge de 30 ans. Une petite carte qui était là, ce qu'il donnait à l'époque quand les gens allaient le voir. Il travaillait dans un cirque. Malheureusement, c'était ce qu'on appelait des bêtes de foire. Ouais.
Donc il est arrivé ici à Mons au mois de novembre, c'est le moment de la foire ici à Mons, et il est décédé l'année suivante, en 1902. C'est une star à l'époque. Même si c'était une star, il était abandonné par le cirque une fois qu'il est tombé malade. Ah oui. Donc l'hôpital Ambroise Paré l'a soigné en quelque sorte. Il aurait promis son corps à la science. Et après son décès, ils ont récupéré son squelette pour être autopsié, etc. Et donc il a fini ici.